Ma Mission TV, le miroir du monde. 400 000 francs. Avant tout, Baboya ou Tiangali, Libende, Namet, Nambongo, 1000 dollars. 1 million de francs congolais. Je tiens également à informer Assistance que, en République démocratique du Congo, il y a également maintenant un plateau technique de chirurgie pédiatrique capable d'opérer toutes les malformations cardiaques. Ici à la clinique Ngalima. Je ne peux clore mon propos sans féliciter l'Assistance qui a respecté les gestes barrières parce que nous sommes dans une période de pandémie. Et j'appelle tous à adhérer à la vaccination parce que vacciner actuellement contre la COVID-19 est un des moyens les plus efficaces pour lutter efficacement contre cette pandémie. Je vous remercie. En s'inspirant de l'expérience douloureuse acquise lors de ces épidémies et pandémies ayant affecté notre pays en ce moment ou à un autre. Les mesures déjà prises et les progrès déjà accomplis sont les premières pierres pour construire, promouvoir et protéger la santé de tous les Congolais, comme le veut le chef de l'État, envers qui j'ai réitéré notre Premier ministre de mon profond dévouement. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon adresse sans rappeler le contexte sanitaire mondial préoccupant, marqué par la persistance de la pandémie à COVID-19 et de ses effets néfastes sur les économies du monde. En effet, suite à la progression des cas testés positifs dans le pays et l'apparition des variants dangereux à travers la planète, notamment celle variant Omicron, apparu en Afrique du Sud ou en Afrique australe, comme on dit, je nous exhorte tous à l'observance stricte de récentes mesures complémentaires édictées par le gouvernement pour stopper la propagation de ce virus hautement mortel. 2020, pour lancer cette couverture sanitaire universelle pour laquelle l'OMS s'est impliquée du début jusqu'au moment où on parle aujourd'hui. En discutant avec elle ce matin, elle vous apporte tous les encouragements et est au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo en matière d'avancement sur la couverture sanitaire universelle. Juste après la perdue avec Bijou, sa mère est rend l'âme, faute de moyens financiers.
comme vous pouvez le constater, la volonté politique de déployer progressivement et scientifiquement l'ensemble du dispositif prévu pour résoudre les problèmes sanitaires auxquels les populations sont confrontées reste inébranlable. Dans ces conditions, je crois que dans ce pays, quand quelqu'un trouve un accidenté sur la route, il a peur de le prendre parce que s'il l'amène à l'hôpital, ça devient sa responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on résout ce problème? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on bâtit un système où notre bon cœur peut se manifester? Il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la santé. D'ailleurs, tous les matins quand on se réveille, on pose la question, comment ça va? On demande comment va la santé. On ne demande pas comment va la voiture, comment va le travail, comment vont les habits, on demande comment va la santé. Et la santé est un droit très important, et le président de la République, quand il parle de l'état de droit, le premier des droits, c'est le droit à la santé. Sans droit à la santé, on n'a pas le droit à l'épanouissement, à l'éducation, à la liberté d'expression. Elle a tellement mal. Alors, elle doit payer. Elle n'a que 200 dollars d'épargne, l'argent qu'elle a mis de côté. Mais l'opération lui coûtera 350 dollars. Donc, elle doit s'endetter. Et elle donne en gage aussi sa télévision et sa radio. Et on doit l'opérer. Maintenant, le problème, si cette femme devait s'endetter dès le départ. Ma mission TV, le miroir du monde. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics et rebelles. Monsieur le coordonnateur de la riposte contre la COVID-19, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du personnel du Conseil national de la couverture santé universelle, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Plus qu'opportun est cette instance où, dans ces beaux cadres de l'auditorium du fleuve Congo Hôtel, le Conseil national de la couverture santé universelle est honoré de vos présences, combien précieuses à l'occasion de la Journée internationale de la couverture santé universelle que la République démocratique du Congo célèbre ces jours sous le thème, je cite,
ne laisser la santé des personnes de côté. Je suis particulièrement content de cette célébration parce que nous venons ici rappeler pourquoi est-ce que c'est important la couverture de santé universelle. Bien entendu, les orateurs qui vont passer après vont nous en parler. Et donc, du coup, moi, je ne vais pas parler de la couverture de santé universelle, mais juste de la journée d'aujourd'hui, en disant la première chose, c'est peut-être que les orateurs nous expliquent vraiment, nous clarifient les concepts, nous clarifient ce dont on parle quand on parle de la couverture de santé universelle. Souvent, les gens nous disent, mais est-ce que ce sont les mutuelles? Est-ce que ce sont les assurances? Est-ce que c'est à construire des hôpitaux partout? Mais on espère qu'avec les présentations, cette clarification sera faite. Deuxièmement, après l'avoir clarifié, c'est nous dire, ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, quelle est la planification? Parce que vous savez, même pour construire une petite maison, vous faites un plan. Est-ce que nous avons un plan? Comment est-ce qu'on peut le dérouler? Et qu'est-ce qu'il contient, ce plan? Peut-être que ça aussi, ça nous permettra de voir un peu le chemin à parcourir pour aller vers la couverture santé universelle. C'est vrai que nous devons bâtir des systèmes, parce que notre pays, malheureusement, souffre de manque de systèmes. Je crois que dans ce pays, quand quelqu'un trouve un accidenté sur la route, il a peur de le prendre, parce que s'il l'amène à l'hôpital, ça devient sa responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on résout ce problème? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on bâtit un système où notre bon cœur peut se manifester? La troisième chose, quand on a compris maintenant ce que c'est que la couverture santé universelle, quand on a compris le plan par où on passe pour y arriver, c'est comment est-ce qu'on se mobilise tous en faveur de cette couverture santé universelle. Et je crois que pour la mobilisation, le plus important, c'est vraiment la passion, que les gens s'inspirent et décident de se battre pour cette notion très importante qui est la couverture santé universelle. Et nous espérons qu'en cette journée de commémoration, tout le monde puisse se dire « Ok, c'est peut-être le moment qu'on se lève pour bâtir ce système et moi j'en fais partie et je demande que cette passion-là naisse et grandisse pour que nous tous, nous puissions répondre à la question très très simple de dire « Quand je suis malade, comment est-ce que je suis pris en charge ?» Il ne faut pas que ce jour-là, je sois en train de chercher l'argent. Il ne faut pas que ce jour-là, on me dise « Il n'y a pas d'hôpitaux ». Il ne faut pas que ce jour-là, on me dise, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, bref, il n'y a pas de système pour t'aider. Et nous sommes tous exposés, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la santé. D'ailleurs, tous les matins, quand on se réveille, on pose la question, comment ça va? On demande, comment va la santé? On ne demande pas, comment va la voiture, comment va le travail, comment vont les habits? On demande, comment va la santé? Et la santé est donc un droit très important, et le président de la République, quand il parle de l'état de droit, le premier des droits, c'est le droit à la santé. Sans droit à la santé, on n'a pas le droit à l'épanouissement, à l'éducation, à la liberté d'expression, à la liberté de presse. On a droit à rien quand on est malade. Comme le droit à la santé est un droit primordial, la question c'est est-ce que ce droit doit être monnayé? Est-ce que ce droit doit être lié à une certaine quantité d'argent? Parce que si c'est cela, ceux qui ont plus d'argent ont plus de droits. En ce moment-là, ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Donc la couverture santé universelle aujourd'hui va peut-être nous aider à comprendre un tout petit peu la différence entre le privilège et le droit. Je vous remercie. Dans la CSU. Et ça, c'est un message extrêmement important. Il y a beaucoup de nos pays en voie de développement n'ont pas toutes les ressources nécessaires au début. Le bébé Maïs qui a 4 mois, elle est née avec une pathologie cardiaque. Par manque de moyens, ses parents effectuent de multiples visites dans différents centres pour trouver la solution. Mais malheureusement, il n'y a pas d'évolution. Alors le temps qu'ils s'endettent pour trouver des moyens pour aller dans un centre qui est approprié et trouver des vrais diagnostics, l'enfant est déjà dans un état critique et malheureusement succombera au troisième jour de son hospitalisation. Et surtout que les problèmes cardiaques dans notre pays, il n'y a pas de prise en charge. En principe, elle devait être transférée dans un pays étranger pour son traitement. Et malheureusement pour cette famille, ce jeune couple, c'est leur premier seul enfant. Maman Bonnie, elle a 5 enfants. Elle vend du pain pour subvenir à ses besoins et à ses enfants. Elle fait une appendicite
Elle fait de tout son mieux avec toute l'automédication possible pour ne pas avoir à se faire opérer parce que ça coûte cher. Mais malheureusement, elle va arriver à un moment où elle doit absolument se faire opérer parce qu'elle ne sait plus marcher. Elle a tellement mal. Alors, elle doit payer. Elle n'a que 200 $ d'épargne, l'argent qu'elle a mis de côté. Mais l'opération lui coûtera 350 $. Donc, elle doit s'endetter. Et elle donne en gage aussi sa télévision et sa radio. Et on doit l'opérer. Maintenant, le problème, si cette femme devait s'endetter dès le départ, dans une banque microfinance que nous voyons aujourd'hui, pour commencer son petit commerce, donc ça veut dire qu'elle perd tout ce qu'elle a, mais elle reste encore non seulement endettée par rapport à l'opération, mais par rapport aussi à la banque de microfinance. Des dépenses vraiment catastrophiques pour nos familles congolaises. Un autre cas, Papa Mukendi, il balaye les routes et il ramasse les poubelles. Malheureusement, pendant les heures de travail, il a été renversé par une moto et il a connu deux fractures. Un au niveau de la jambe gauche et un autre au niveau du bras droit. Et les motocyclistes, bien sûr, s'enfuient. Il a été emmené à l'hôpital public de la place où il a été stabilisé avec une réduction manuelle et la mise en place de plâtre. Mais pour ce papa, il doit non seulement payer 500 000 francs congolais pour la mise en place de plâtre et la stabilisation initiale, mais il doit encore chercher 1 million de francs congolais pour une opération d'ostéotomie pour stabiliser ses fractures, pour l'emmener à la guérison et pour qu'ensuite qu'il se mette à travailler. Et pendant qu'il est convalescent à l'hôpital, sa femme aussi, qui était une dame qui avait son petit commerce pour subvenir aux besoins de la famille, doit rester avec lui pour l'entretenir. Ce sont des dépenses catastrophiques au niveau de la famille qui affectent tout le monde. Il y a un cas que je n'ai pas mis ici, c'est un cas que j'ai vécu il y a 3 jours. Il y a une de mes tantes qui était tombée malade avec Covid, a été emmenée dans un hôpital privé de la place. Très malade au départ, nécessitant l'oxygène. On arrive là-bas, on installe. Le mercredi, on fait demande pour savoir combien la facture a été. On nous dit que la facture était à 7 500 $. 3 jours seulement d'hospitalisation. À ce point-là, puisque nous n'avions pas autant d'argent, nous avions dû payer les 7 500 $ avec la cotisation familiale et rajouter 1 000 $ en plus avec le transfert des ambulanciers et tout ça. Et l'emmener à l'hôpital public de la place pour la prise en charge, parce que sinon, on ne pouvait pas continuer ce soir parce qu'il faut payer cet argent. Dépenses catastrophiques encore pour les sociétés, pour les familles congolaises. Si on réfléchissait un tout petit peu, si la couverture santé universelle était existante en RDC, si la maman, les jeunes couples, le papa, ou encore nous... C'est-à-dire, quand on a l'air ma tête, on a ma tête, mais on a 11, on a l'air de zonga d'abord. Moko a bengi gai. Quand on a l'air ma tête, on a l'air, on a katsaki prince, on a l'air. Quand on a l'air, on a ka. Na komi pembe ni pende ndende na koma na kuwe kuna na gambu kuna. Nani wana na yeba kambote moto. E yeba na moko pe tutika yvrema na yeba kate nga moko pe na mi yeba kate. Alo nde bide pende. Yako bukana. Yako bukana. Kamo koma kia unye kana kisiko mbele. Tamo na koma kia uwa. Bango balobike, tiaba tiaba pesa mbongo, tocha yo sima. Sima, batiaka ngayi, topesi sa 50. Sa 50 topesa ka. Sa 50 mil dola? Sa 50 mil franc congolais. Batiaka ngayi, sima oyi na zana mbo. Alors, si koi, li kolonde, e simba ka, nazo yo ka mwa bien, mais les boko nde eloko pendezo baluka baluka ngai na tenir teke ezonga na place boko les boko siko batobini poizo babinfoni balobi sikoi les boko poizonga omweto sala yo operasyon na operasyon wana tokosala yo to luka
$1,000. N'a quelques poussières, il y a un bon résultat pour la carte. Alors, dans mon poya, tout pérille, tout sérieux, libéré, autant pour la canambo, souka, tout voya pour l'ongola, yo libéré, one. Dès que baye, il s'agit lobby, dès que la zabon, lobby, la zolika, la crème. Mais bon, on peut 400 euros au cocaté. 400 000 francs. Nasale hôpital anatanda na kenge na kenge kuvanda afantu baboya kuchangali libende na mezo na mbongo $1,000,000 siko bandao ya kana na bimisa kimbongo na plona yo muntu wa bimisa kimbongo Eza leki nangali, leki nangali moto abimisaki mbongo. Responsable wana bakanga kamoto, nazomu na yete. Monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, monsieur le représentant de la Banque mondiale, monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre, mesdames et messieurs les experts en couverture santé universelle, mesdames et messieurs, distingués invités, le 12 décembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution 67/81, au terme de laquelle elle exhortait les membres, les États membres à s'engager sur la voie de la couverture santé universelle. Celle-ci vise à assurer à chaque citoyen, partout dans le monde, l'accès à des soins de qualité à un coût abordable. Depuis, la couverture santé universelle est devenue une priorité essentielle en matière de développement à l'échelle internationale. Dans sa résolution du 12 décembre 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 12 décembre, ça a été dit, Journée internationale de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, agissant au nom de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, empêché, je suis heureux de vous rencontrer vous tous, ici, ce beau cadre, Félix Congo Hôtel, pour qu'ensemble, nous célébrions cette journée dont l'enjeu est de mieux faire comprendre la nécessité pour notre pays de disposer d'un système de santé solide et résilient, à même d'assurer l'offre de services de santé de qualité à toutes les catégories de la population.
Mesdames et messieurs, distingués invités, la Constitution de la République démocratique du Congo garantit le droit à la santé, considéré par tous comme l'un des droits fondamentaux du citoyen, fût-il homme ou femme. Aussi, la loi fixant principes fondamentaux de la santé publique dans notre pays y a-t-elle institué un système national de couverture santé universelle. Cependant, il a fallu que son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une des premières priorités de l'action gouvernementale, telle qu'est reprise dans le pilier 11 du 4e secteur d'activité, secteur social du programme du gouvernement, que son Excellence Monsieur le Premier ministre a la lourde responsabilité de mettre en œuvre. Avant de poursuivre mon allocution, j'aimerais, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, signaler les étapes essentielles déjà franchies, et ça a été rappelé d'une manière ou d'une autre, sur le chemin laborieux de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, et remercier en son nom les principaux partenaires et acteurs ici présents, certains en tout cas, qui ont contribué à l'établissement du cadre et des outils référentiels de manière à nous permettre d'avoir la même vision et la même compréhension du processus qui n'attend plus qu'à être implémenté. Ces étapes sont notamment la mise en place d'un cadre institutionnel devant régir la couverture santé universelle en RDC, par la signature de l'ordonnance numéro 21/032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de couverture santé universelle. La validation du plan stratégique national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo au cours de la première session extraordinaire du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle, convoqué et présidé par le chef de l'État le mardi 7 décembre 2021. Il y a lieu de noter ici que les travaux de l'élaboration d'un plan stratégique ont été pilotés par le ministère sectoriel avec l'appui de la task force présidentielle et des partenaires techniques et financiers. La validation de la feuille de route prévoyant les démarrages effectifs des activités dès le mois de janvier 2022. L'instruction du président de la République chef de l'État au cours de la 31e réunion du Conseil des ministres du 3 décembre 2021, faisant de la couverture santé universelle une cause nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour accélérer la mise en œuvre de ces processus, il me revient, suivant l'ordonnance numéro 21/032 du 1er juin 2021, de créer par décret du Premier ministre 5 structures d'appui à l'opérationnalisation de la couverture santé universelle en RDC. Il s'agit de l'autorité de régulation de la couverture santé universelle, du Fonds de solidarité de la santé, du Fonds de promotion de la santé
de l'Institut national de santé publique ainsi que de l'Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de santé. Rassurez-vous, le Premier ministre m'a chargé de vous dire qu'on s'y attend. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la volonté politique de déployer progressivement et scientifiquement l'ensemble du dispositif prévu pour résoudre les problèmes sanitaires auxquels les populations sont confrontées reste inébranlable. Dans ces conditions, le gouvernement de la République entend collaborer avec le partenaire au développement pour renforcer les systèmes de santé actuels et l'amener vers un système de soins de santé primaire solide qui puisse offrir à toutes les communautés des services de promotion de la santé, de prévention des maladies et de traitement. Cela sous-entend également l'option de garantir l'accès à un personnel de santé qualifié et à des médicaments sûrs, efficaces et abordables. La vaillance et la bravoure de nos professionnels de santé méritent un renforcement en moyens humains et matériels adéquats, surtout en milieu rural. Le gouvernement que dirige Son Excellence Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde entend réaliser en 2022 des investissements durables pour construire et équiper les hôpitaux, les dispensaires et les laboratoires dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires qui constituent notre pays. La couverture santé universelle est d'abord et avant tout un choix politique qui fait passer la santé de la population au premier plan. Ce n'est pas seulement une stratégie, mais des mesures concrètes qui vont être prises et suivies, mais dont les principaux objectifs à atteindre consistent dans l'amélioration de l'efficacité de services sanitaires à tous les niveaux du système de santé, la mise en œuvre d'une protection financière à toute la population, le renforcement de l'approche d'intégration de la santé dans toutes les politiques pour réduire le fardeau des maladies et assurer la pérennité du système de la couverture santé universelle. Puis il y a la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance et la bonne gestion du système national de la couverture santé universelle. Enfin, la mobilisation de ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette couverture santé universelle. Pour soutenir ces objectifs, je voudrais insister sur les instruments d'appui et de coordination de partenaires internationaux à mettre en place pour orienter le soutien des donateurs dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la couverture santé universelle. Je me réjouis de voir les représentants du système des Nations Unies et d'autres partenaires techniques et financiers dans le domaine de la santé réitérer leur soutien à la vision actuelle de la République démocratique du Congo. Les ingrédients clés du succès dans cette approche seront la mobilisation de tous les acteurs de l'État et de la société dans la quête de la santé pour tous. La bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité seront essentielles dans ces processus devenus irréversibles.
les investissements nationaux et internationaux viseront à consolider les piliers d'un système de santé performant à construire en s'inspirant de l'expérience douloureuse acquise lors des épidémies et pandémies ayant affecté notre pays en ce moment ou à un autre. Les mesures déjà prises et les progrès déjà accomplis sont les premières pierres pour construire, promouvoir et protéger la santé de tous les Congolais, comme le veut le chef de l'État, envers qui j'ai réitéré notre Premier ministre de mon profond dévouement. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon adresse sans rappeler le contexte sanitaire mondial préoccupant, marqué par la persistance de la pandémie à COVID-19 et de ses effets néfastes sur les économies du monde. En effet, suite à la progression des cas testés positifs dans le pays et l'apparition des variants dangereux à travers la planète, notamment celle variant Omicron, apparu en Afrique du Sud ou en Afrique australe, comme on dit. Je nous exhorte tous à l'observance stricte des récentes mesures complémentaires édictées par le gouvernement pour stopper la propagation de ces virus hautement mortels. J'encourage vivement la vaccination pour accroître notre immunité collective. En vous réitérant mes sincères remerciements au nom du Premier ministre, notamment pour votre attention soutenue, je vous invite donc à croire à un monde débarrassé de cette pandémie et évidemment au succès de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Mais pour boucler la boucle, je voudrais que la salle, parce que dans notre pays, souvent on aime toujours rendre des hommages à titre posthume, mais je voudrais tout de même saluer l'énergie d'un homme qui se bat. Et depuis que le président de la République lui a confié ses rôles et il est fait en collaboration avec le gouvernement, principalement le ministre de la Santé. Je voudrais que la salle applaudisse le docteur Kamba, conseiller. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nations Unies en RDC, ici présent. Distingués invités en vos titres, grades et qualités respectives. Mesdames et messieurs, depuis son ascension à la magistrature suprême, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a pris auprès de la nation congolaise un engagement à conduire le pays vers la voie de la couverture santé universelle. La date d'aujourd'hui est l'une des plus importantes dans cet engagement, puisqu'elle marque la journée internationale de la couverture santé universelle. À travers le monde, plusieurs pays ont résolu de célébrer cette journée pour rappeler leur volonté de voir les soins et services de santé de qualité être accessible à toutes les couches de leur population pour que nul ne puisse être laissé de côté, uniquement pour des raisons financières. Ceci constitue un défi majeur pour de nombreux gouvernements des pays subsahariens, en ce y compris la RDC. Mais ce défi est surmontable si des solutions idoines sont portées aux problèmes de santé, surtout celles touchant le renforcement des systèmes nationaux de santé. En célébrant cette journée sous le thème
Investir dans les systèmes de santé pour tous, la communauté internationale réaffirme ainsi le rôle crucial des systèmes de santé efficaces et résilients dans la marche vers la couverture santé universelle. À cet effet, on a besoin de rappeler que le gouvernement de la République, dirigé par Son Excellence Jean-Michel Samalukende-Kenge, Premier ministre chef du gouvernement, a inscrit la mise en œuvre de la couverture santé universelle parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention se déploie avec l'ensemble de toutes les parties prenantes pour rendre disponibles les services et soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, distingués invités, l'un des principaux indicateurs pour évaluer la couverture santé universelle est l'indice de couverture en services essentiels. C'est un indicateur composite qui inclut plusieurs sous-indicateurs, en rapport notamment avec la santé de la mère et de l'enfant, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, ou encore les capacités des services à offrir les soins nécessaires. En RDC, cet indice estimé à 39% est encore en dessous de la moyenne africaine. Ce faible niveau s'explique par l'état de notre système de santé, qui a longtemps souffert d'un sous-financement sous ressources propres et dépend largement de l'aide internationale. De plus, 42% des dépenses sont couvertes par les ménages à travers le système de paiement direct. Ainsi, le système national de santé est peu résilient face aux chocs socio-économiques et aux nombreuses épidémies que rencontre le pays. Parmi les principaux problèmes qui affaiblissent le système de santé, il y en a quatre que nous pouvons relever. Premièrement, il y a ceux liés aux infrastructures et équipements sanitaires, dont l'état de vétusté avancée ne répond plus aux normes fixées par l'OMS. Cette situation de délabrement résulte d'une part de la non-application des normes en la matière et d'autre part à la non-intégration des coûts liés dans les projets d'investissement pour le renouvellement et la rénovation. La deuxième source de problème relative à l'affaiblissement du système de santé se rapporte aux ressources humaines en raison du déséquilibre de l'organisation des filières et de la qualité de formation, de la répartition inéquitable entre les milieux ruraux et urbains concernant les structures sanitaires et des conditions de travail pas assez motivantes pour le personnel soignant. La troisième cause d'affaiblissement du système de santé concerne la problématique des médicaments, vaccins et intrants spécifiques. Le médicament, produit fondamental pour des soins de santé de qualité, connaît toujours des problèmes d'approvisionnement, d'accessibilité financière, de qualité et d'utilisation rationnelle, hypothéquant ainsi le fonctionnement du système de santé. Enfin, nous citerons comme quatrième maillon faible du système de santé pour nos compatriotes son financement. En effet, le coût élevé des soins de santé dans les établissements de santé par rapport aux revenus des ménages se présente comme un défi majeur dans l'utilisation optimale des services de santé pour tous, et cela sans exclusion. À cause de tous ces obstacles et contraintes à la progression rapide vers la couverture santé universelle, le gouvernement est décidé à investir davantage dans un système de santé accessible pour tous, afin que plus personne n'en soit exclu. Et pour ce faire, il appartient à celui-ci, via des structures ad hoc, en ce y compris le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et ce, conformément à la carte sanitaire nationale, de veiller à la mise en place des centres de santé, des centres hospitaliers, généraux et de référence, d'hôpitaux provinciaux et nationaux avec des infrastructures et matériels répondant aux normes. Il lui incombe de s'assurer de la collaboration d'un personnel de santé qualifié et motivé, équitablement réparti sur l'ensemble du territoire national, de rendre accessible à la population des médicaments et intrants spécifiques de qualité et en quantité suffisante
d'instaurer un système d'information sanitaire efficace et renseignant à temps réel pour la prise de décision et la planification, le tout pour une meilleure prestation des services et des soins de santé répondant aux attentes et aux besoins de la population, et enfin basé sur une gouvernance sanitaire améliorée qui rassure et rétablit la confiance. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, distingués invités, pour accélérer la marche de la RDC vers la couverture santé universelle, l'ambition du gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique et de la Prévention, est d'atteindre d'ici 2030 une couverture en soins essentiels pour au moins 60% de la population congolaise. Pour y arriver, le ministère a besoin d'une contribution synergique de tous les acteurs publics, professionnels et privés, avec l'appui des partenaires et au développement, sans oublier la participation de la communauté. Que cette journée que nous célébrons soit un tremplin pour un grand saut vers l'avant et marque à jamais le changement de paradigme dans le secteur de la santé et en matière de couverture santé universelle pour ne laisser personne de côté. Je tiens particulièrement à féliciter tous les orateurs qui m'ont précédé, car je retiens qu'il faut, pour la réussite de la CSU, clarifier le concept de la couverture santé universelle, y mettre une planification dans cette couverture santé universelle, réfléchir de la manière efficiente pour bâtir et performer ce système de santé universelle. Et surtout, comme l'a dit le conseiller spécial, se mobiliser en faveur de la CSU, telle une réelle passion, afin de donner à notre peuple le droit à la santé. Tous égaux et ayant accès aux mêmes soins de santé, j'y adhère. Ceci pour que des cas si précités de la maman de Bijou et autres ne se répètent plus dans notre pays. Oui, je confirme que la pauvreté est réellement une souffrance qui impacte sur la santé physique ainsi que sur la santé mentale. Je tiens également à informer l'assistance que, en République démocratique du Congo, il y a également maintenant un plateau technique de chirurgie pédiatrique capable d'opérer toutes les malformations cardiaques ici à la clinique Ngalima. Je ne peux clore mon propos sans féliciter l'assistance qui a respecté les gestes barrières, parce que nous sommes dans une période de pandémie. Et j'appelle tous à adhérer à la vaccination. Parce que vacciner actuellement contre la COVID-19 est un des moyens les plus efficaces pour lutter efficacement contre cette pandémie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, ici représenté par le vice-premier ministre de la fonction publique, à qui je présente l'expression de mes hommages. Et selon ce, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, excellences, mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques, monsieur le commissaire général de la police congolaise, monsieur l'inspecteur général de la police congolaise, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, monsieur le bourgmestre ici représenté de la commune de Bangui, monsieur le représentant des organisations professionnelles des travailleurs, monsieur le représentant des organisations professionnelles des employeurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. L'un des défis majeurs de la couverture santé universelle est l'atteinte de la population œuvrant dans les secteurs informels. Non seulement parce qu'elle représente la majorité des travailleurs, mais aussi la précarité de leurs conditions de travail et les conditions de vie font d'elle une cible prioritaire pour l'élargissement de la couverture santé universelle. Ce qui correspond bien au thème de la Journée internationale de couverture santé universelle de cette année,
ne laisser la santé des personnes de côté, investir dans les systèmes de santé pour tous. Voilà pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo, que dirige son Excellence Jean-Michel Samalukonde, à qui je renouvelle mes hommages différents, a retenu parmi les axes prioritaires de son programme 2021-2023 la promotion du travail décent avec comme stratégie la formalisation du secteur informel. En effet, l'objectif principal du passage de l'économie informelle vers l'économie formelle est d'une part d'améliorer les conditions de travail et d'autre part faciliter l'accès aux prestations sociales pour les travailleurs précaires et ou précarisés. Ceci offre beaucoup de possibilités d'élargir l'assiette fiscale et non fiscale et d'assurer la croissance économique de manière inclusive. Par ailleurs, j'apprécie la façon dont le plan stratégique national de la couverture santé universelle 2021-2030 a été élaboré, particulièrement son montage financier, et j'en profite pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme volonté de placer l'amélioration du social de notre population au centre de préoccupation durant ce mandat et à travers la mise en place du Conseil national de couverture santé universelle. Comme d'ici haut, le montage financier du plan stratégique national pour la couverture santé universelle est réalisé parce que non seulement il tient compte des différents dispositifs existants, mais également les différents mécanismes de collecte qu'il propose, permettant de prendre en considération toutes les catégories sociales, c'est-à-dire les agents publics de l'État, les secteurs privés contractuels, les indigents et vulnérables, et enfin la population errant dans l'économie informelle. C'est vraiment une approche inclusive, offrant toutes les garanties d'équité. Je voudrais confirmer ici que la population, que la plupart des interventions retenues dans les programmes du gouvernement pour le compte du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale s'alignent de façon excellente aux interventions retenues dans la feuille de route du plan stratégique national pour la couverture santé universelle. Certaines de ces interventions sont déjà même en pleine exécution. C'est notamment les différentes mesures d'application de la loi numéro 17/002 du 8 février 2017 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la mutualité qui sont déjà validés au Conseil national du travail et que nous comptons présenter au Conseil des ministres incessamment. Il s'agit également de l'institutionnalisation du métier de médecin conseil en collaboration avec mes collègues de l'enseignement supérieur et universitaire et de la santé publique et l'ordre des médecins, dont 35 médecins conseils venaient d'être formés dernièrement avec l'appui de l'école de santé publique de Kinshasa. Nous nous apprêtons à prendre un arrêté pour mettre en place une commission mixte qui va accompagner ce processus jusqu'à son aboutissement, mais nous pouvons annoncer déjà la possibilité de former 60 médecins conseils pour l'année 2022, conformément à la lettre de mission du gouvernement. Ce nouveau corps de métier va contribuer de manière significative à gérer les risques au compte du Fonds de solidarité de santé. La mise en place d'une commission mixte de passage de l'économie informelle vers l'économie formelle. Les discussions sont en train d'être menées avec tous les ministres sectoriels et sous la houlette du ministère, ensemble avec le ministère de l'économie et le ministère de l'emploi. À cet effet, un arrêté interministériel sera bientôt signé pour permettre d'améliorer les conditions de travail de nos compatriotes et vont dans ces secteurs
notamment les travailleurs domestiques, les conducteurs de motos, les chauffeurs taxi, les conducteurs des camions poids lourds, les travailleurs des hôtels, restaurants et cafés, ainsi que les producteurs agricoles et éleveurs, et j'en passe. Excellences, mesdames et messieurs, comme nous avons eu à l'entendre pendant les différentes prestations de séjour, la stratégie nationale pour la couverture santé universelle reste et demeure une politique transversale et multisectorielle. Par conséquent, sa mise en œuvre nécessite le concours de toutes les parties, d'où l'importance d'organiser et de multiplier ces genres de rencontres qui permettront sans doute à tous les acteurs nationaux et internationaux, les partenaires techniques et financiers, de discuter et de proposer des solutions encore plus opérationnelles pour la mise en œuvre de celles-ci, offrant ainsi la possibilité d'élargir l'accès aux soins de santé de qualité de manière équitable et réduire ainsi les inégalités et la pauvreté en République démocratique du Congo, comme le soutient Son Excellence Chef Monsieur Antoine Félix Tshilombo, chef de l'État. Je voudrais lever quelques défis de taille pour lesquels notre gouvernement devrait rester attentif. Premièrement, les systèmes de couverture santé universelle nous mènent d'un régime octroyé à un régime contributif. Cela va demander un dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Nous nous réjouissons de constater qu'ils seront présents dans les organes de gestion de notre plan stratégique pour la couverture santé universelle. C'est ce qui démontre la détermination du gouvernement de rester redevable à la population congolaise et de travailler en toute transparence. Le second défi est celui de l'application du SMIC, surtout dans les contextes de faible productivité liés à l'impact de la pandémie de COVID-19, d'où la nécessité d'intensifier les pourparlers avec les partenaires sociaux à travers les rencontres régulières du Conseil national du travail. En troisième lieu, la nécessité de valider urgentement au Conseil des ministres la politique de mise en œuvre, de mise en place du socle de protection sociale. Enfin, la mobilisation des ressources nationales reste essentielle et nécessaire. Un effort collectif pour améliorer les conditions de travail également doit être mené. Un soutien international concerté est également indispensable pour permettre au Conseil national de la couverture santé universelle d'atteindre ses objectifs. Pour terminer, j'exprime ma gratitude au président du Conseil national de la couverture santé universelle pour cette initiative. Je vous remercie. Du ministère du gouvernement, messieurs les chefs d'agence des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, vous qui accompagnez cette initiative, une belle initiative de la couverture santé universelle, mesdames et messieurs les invités, chers partenaires, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, j'aimerais avant tout vous adresser les chaleureuses salutations de Madame la Directrice régionale de l'OMS, le Docteur Massidossi Rebecca Moyeti, qui il y a, si je ne me trompe, 2 ans, était dans cette salle au mois de février 2020 pour lancer cette couverture sanitaire universelle pour laquelle l'OMS s'est impliquée du début jusqu'au moment où on parle aujourd'hui. En discutant avec elle ce matin, elle vous apporte tous les encouragements et est au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo en matière d'avancement sur la couverture sanitaire universelle. En prenant la parole, je voudrais vous remercier très sincèrement
pour l'appropriation de cette journée mondiale de la couverture sanitaire universelle, qui connaît en votre sur votre leadership un retentissement évident, comme le témoigne cette rencontre. Excellence, les inégalités sapent nos efforts pour protéger, promouvoir et améliorer la santé pour tous et par conséquent menacent le développement social et économique dans le monde entier. Alors que la COVID-19 a souligné et exacerbé les inégalités en matière de santé dans le monde, l'OMS continue de renforcer son appel à une plus grande volonté et à une action accélérée de la part des dirigeants de ce monde. Nous devons placer l'équité en santé au premier plan de l'agenda mondial alors que nous aidons les pays à œuvrer pour la couverture sanitaire universelle. La journée de la couverture santé universelle est l'occasion d'examiner les progrès et d'identifier les lacunes pour garantir que chacun, partout, peut accéder aux soins de santé dont il a besoin, à proximité de son lieu de résidence et sans tomber dans les difficultés financières. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure dans les différentes, au niveau des différentes interventions. C'est aussi une journée pour se concentrer sur ce qui doit se passer ensuite pour réaliser les progrès continus et concrets vers un monde plus juste et plus sain. On en témoigne les projections de ce vidéo, des vidéos que nous venons d'assister. L'OMS publiera les dernières années données sur la couverture sanitaire universelle. Le document sera partagé avec tout le monde et qui souligne l'impact de la COVID-19 sur les systèmes de santé dans le monde, montre également comment les pays s'efforcent d'y faire face. Parallèlement à la couverture sanitaire universelle 2030, l'OMS se joint aux personnes, aux communautés, aux organisations du monde entier pour demander aux gouvernements, aux donateurs et aux dirigeants de tous les secteurs de ne laisser la santé de personne à côté. Investir dans le système de santé pour tous est le credo qui nous permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus vite vers la couverture sanitaire universelle. Enfin, l'OMS entend vous assurer qu'elle travaillera de concert avec les autorités et les partenaires de la RDC pour planifier, mettre en œuvre, évaluer et accompagner les réalisations de la couverture sanitaire universelle dans laquelle la population démunie sera la principale bénéficiaire. Enfin, j'appelle les autorités nationales et les partenaires nationaux à renforcer leur engagement politique, leur investissement et démontrer leur soutien à cette belle initiative qui non seulement on parle de santé universelle, mais la santé dans sa globalité. Je vous remercie.
Ma Mission TV, le miroir du monde.